Yo, j'espère que vous allez bien. C'est donc aujourd'hui petit 2 sur Fiom 2020, les gars. Notre vidéo, on va récupérer nos récompenses POTM. Du coup, j'ai fini encore une fois hors 1, les gars. Deux fois de suite que je finis hors 1, du coup. Je suis un peu de la merde aussi. Je tombe contre des gens qui sont grave forts aussi. Hein. Et puis aussi, contre les petites équipes, je suis un peu de la merde aussi. Donc, c'est un peu dommage. Du coup, on aura deux joueurs élites. Les gars, allez, je vous montre un petit truc vite fait. Je l'ai mis sur mon Instagram, la photo dans ma story, mais je vous montre ici pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Regardez contre qui j'ai joué quand même. 167 les gars. 167 de général. Bon, j'ai perdu 13 à 4 du coup, logique. Hein. Quand tu vois son équipe, tu te dis bon, logique que je vais me prendre une branlée. Voilà contre qui j'ai joué. Le mec il doit être dans le top 100 mondial en multi-attaque de toute façon. Incroyable. Vachement équilibré quand même le jeu. Vachement équilibré. Du coup, POTM, c'est parti. Du coup, deux joueurs. Let's go. On ouvre ça tout de suite. On espère choper du lour. Hein. On espère, on espère. De toute façon, on aura de la merde comme d'habitude, les gars. Vous connaissez la chanson. Allez. Faites-moi plaisir pour une fois. 600 000 pièces. 50 points. J'ai 100 points du coup, je pourrais peut-être me prendre le joueur. Je vais voir ce que. Je crois que c'est un joueur de Séville. Je me rappelle plus c'est qui. On va voir si je le prends ou pas. Allez, c'est parti pour le premier joueur. 80. Putain, mais c'est quoi ça? Bruno Alves. Allez, deuxième joueur, c'est parti. 86. Waouh, du coup, 86. Ça va, ça augmente un petit. Ça augmente un petit peu, c'est cool. Mais bon, c'est pas non plus le meilleur joueur du jeu, hein. Boutique Fever du coup si je peux me le prendre et qui c'est du coup comme joueur. Ouais c'est Banega ouais. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Je vais garder mes points du coup. Pour la prochaine fois. Je vais garder mes points pour la prochaine fois. En plus ils ont mis des nouveaux trucs dans le défi POTM. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu. On peut échanger nos points maintenant. Avec d'autres récompenses. Donc après, c'est pas non plus rentable, mais bon. 50 points pour un joueur élite équipe de la semaine, c'est pas non plus hyper ouf, quoi, mais bon. Voilà, donc du coup, il y a ça si vous voulez, si ça vous intéresse, les gars. Et puis voilà, les gars, bah, du coup, c'était une vidéo très rapide. Hein. Les gars, du coup, ce week-end ou cette semaine, la semaine prochaine, quoi. Là où je sors la vidéo, les gars, on est jeudi, hein, où je sors la vidéo. Du coup, ce week-end ou la semaine prochaine, il y aura une vidéo spéciale Ligue des Champions, les gars. Où on va ouvrir du coup dans la vidéo 8 packs minimum. On aura 8 packs minimum. Hop, ici, vous voyez, j'ai 800 points, on va dire à peu près. Donc, on aura 8 packs minimum. Vous voyez, il y a quand même Messi et tout dedans. Donc, voilà. On pourra choper du lourd, je pense. Messi, Jimenez, Kimmich, Coman et tout. Allez, du lourd quand même. 89 minimum. Ouais, 89 minimum, du coup, on pourra choper du lourd, du coup. Donc, la vidéo sortira dans ce week-end ou dans la semaine, les gars. Donc, ouais, du coup, il y aura peut-être ça aussi à récupérer, 2-3 trucs. Il y aura peut-être d'autres choses aussi à récupérer. Donc, voilà, ce sera une vidéo spéciale pour ça, du coup, je ferai. Ouais, du coup, là, c'est aujourd'hui, c'était les récompenses POTM. Et puis, voilà, du coup, je monte mon équipe vite fait, les gars, pour ceux qui veulent voir. Il n'y a pas trop de changements, les gars, de toute façon. Hein. Il n'y a pas trop de joueurs dans les défis à récupérer. Donc, voilà, du coup, ça n'a pas trop bougé. 138 de général, 300 de collectif. Et puis voilà. Bon les gars, je vous laisse ici. Mettez un maximum de pouces bleus comme d'habitude. Abonnez-vous si vous l'avez fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!